Dieu est fidèle. Le sais-tu? Si tu ne le sais pas encore, reste jusqu'au bout. Écoute ce que j'ai à dire. C'est très important. Je remercie déjà le Seigneur parce que il nous parle par des signes. Et lorsqu'il a fait une alliance ou il a donné une parole, il marque toujours par quelque chose. Et là, je veux vous parler de l'arc-en-ciel. Notre pasteur Estelle Jenguet a écrit un article que vous retrouverez sur le site de l'Église Jésus-Christ Roi des Nations qui détaille très bien les symboles de fidélité au travers de l'arc-en-ciel. Mais je veux en plus vous parler d'une expérience personnelle. Dieu m'a souvent parlé de l'arc-en-ciel et ce, avant même que je rentre dans son alliance, avant même que je lui donne ma vie. J'écoutais un chant qui s'appelait One Day, un jour. Et dans ce chant, le chanteur disait « Un jour, j'atteindrai l'arc-en-ciel ». Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Cet homme disait qu'en atteignant l'arc-en-ciel, il verrait au loin son ancienne maison. Il recommencerait à zéro, du début à la fin. Et là où il reconstruira, il y aura la paix. Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu me parlait de la promesse qui s'attache à tous ceux qui donnent leur vie à Jésus. Et non seulement il m'a parlé de cette manière, mais en plus, au fil de ma marche avec Jésus, j'ai vu énormément d'arc-en-ciel. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester dans cet arc-en-ciel. Et je l'ai vu à tellement de reprises que j'ai commencé à prendre des photos pour pouvoir les garder en mémoire. Et moi, j'ai gardé la photo et je chéris ces arc-en-ciel-là, entre guillemets, parce que c'est toutes les fois où Jésus me disait « Je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle ». Et lui, il dit dans sa parole qu'à chaque fois qu'il met l'arc-en-ciel dans le ciel, il se souvient de son alliance. J'ai souvent posé la question à Dieu de savoir est-ce que mon église était la bonne. Et le Seigneur m'a encore fait un clin d'œil, car le symbole de l'église, de mon église en tout cas, Jésus-Christ, roi des nations, c'est encore l'arc-en-ciel, comme vous pouvez voir dans la photo qui s'affiche. Dieu est vraiment bon, il est vraiment bon, il est fidèle dans toutes choses. Il m'a accordé d'avoir un berger de son cœur qui a du discernement et de la connaissance, et grâce à qui je suis bénie. Donc je remercie Seigneur de m'avoir mis au bon endroit. Eh bien, posez la question au Seigneur. Il est fidèle, il montrera la marque de sa fidélité dans votre vie. Soyez juste attentifs. Et moi, je bénis la pasteur qui m'a donné. Soyez tous bénis et que Dieu vous prouve encore sa fidélité au travers d'une expérience qui sera extraordinaire et que vous témoignerez. Soyez bénis.